On revient sur la première. On met deux arrières, on met deux pivots et on met deux défenseurs. Deux défenseurs. Voilà, pivot en vert. Mets-toi en défense ici. Mets-toi là-bas. Alors, tu pars d'ici. Ok. C'est la même situation que tout à l'heure. C'est toi le pivot ? Ouais. Mets-toi là. Attends, pose-toi. Tu vas extérieur, comme tout à l'heure. Sur la course extérieure, j'accompagne le pivot avec moi, ici. D'accord ? Tu redonnes. Et là, je vais sur l'arrière. Et il y a une passe au pivot. Ok ? Ça marche ? Allez, accompagne-le. Et là, tu joues. Voilà. Ok, vas-y, accompagne-le. Voilà. Ok. Vas-y, accompagne-le. Là, et tu vas toucher. Voilà. Ok, ok, allez. Dernier. Là. Ok, très bien. Il a le droit, hein. Il a le droit de tirer. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la performance sur cette situation? Ce qu'il y a, c'est qu'au début de la situation, ils étaient déjà dans le positionnement du tir du pivot. C'est pour ça qu'après, on a rajouté le tir possible de l'arrière. Après, je trouve que surtout, ils sont pris de vitesse. Tout le temps. Tout le temps, parce qu'ils sont, ils sont pas, ils se repèrent pas dans l'espace. Pour eux, sortir d'avoir justement de la profondeur cette fois-ci, on demande d'avoir de la profondeur, ben, on sent qu'ils sont un peu perdus, ils sont dépassés par la suspension, par la vitesse du tir. On va mettre une autre situation, parce que là, vraiment, le pivot était assez facile au niveau du tir. On va rajouter une difficulté par rapport au pivot et au gardien. Enlève-toi en face, voilà. Tu pars d'ici. T'es en défense. T'es en défense, deux arrières, donne-moi le ballon. Ici, tu pars de là-bas, hein, ok? T'es sur ce poste-là, vous êtes assez bas, ok? Je donne la balle ici. Lorsqu'il va me faire la passe, pardon. Fais-moi la passe. Hop. Toi, tu viens ici. Tu viens bloquer. Là. Hop. Je renvoie la balle. D'accord? Et là, tu joues. Ça marche? Tu peux défendre. Hein? Tu peux défendre aussi là-bas. Ok? Ça marche? Donc, à chaque fois, le côté de la balle, tu viens bloquer, je te rends la balle et on joue la situation. Oui, il peut shooter aussi. Il peut shooter les arrières. Hein? On y va? C'est parti. Là, là, et là. Ok, allez. Ok, c'est dommage. La même chose que tout à l'heure. Ouais, à peu près. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de lecture chez, pareil, la même fille, là. Elle a une bonne lecture. Elle est un peu en retard, elle est un peu plus sur le corps, il faudrait qu'elle soit un peu plus sur le bras. Mais je trouve qu'elle a celle qui a le plus de lecture. Une belle posture, c'est intéressant. Après, on a un garçon qui fait 2 mètres, qui a 3 mètres d'envergure. On a l'impression qu'il fait 1 mètre 50 pour 1 mètre d'envergure. C'est dommage. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler avec ce jeune garçon pour justement pour qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre comme une fleur. À la fin, je lui disais, mais prends de la place. Prendre la place, t'as une envergure de fou.